Bonjour et bienvenue sur Medion TV. Elle symbolise à la fois l'esprit d'entrepreneuriat, l'innovation, mais aussi la créativité. Pour beaucoup, elle constitue l'entreprise de demain, notamment pour les jeunes branchés. Elles, ce sont les startups, des startups qui poussent sur le continent et qui sont le plus souvent créées et dirigées par des jeunes. Nous en recevons justement aujourd'hui un d'entre eux, il s'agit d'Ismaël Belkhayat, cofondateur de la startup marocaine à visée panafricaine, Chari, récemment considérée comme la meilleure start-up africaine de l'année. Bienvenue à vous, Ismaël Belkhayat, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Plaisir partagé. Alors, on va commencer simple, hein. On va faire très simple et on va y aller crescendo. Quand on dit start-up aujourd'hui, on fait référence à quoi? On fait référence avant tout à un état d'esprit. Celui de vouloir avancer vite et celui de vouloir disrupter la manière dont les choses sont aujourd'hui faites. Une start-up, c'est généralement une équipe, comme vous l'avez dit, qui au départ est soudée et travaille main dans la main pour essayer de grandir très vite, pour faire changer les choses le plus rapidement possible avec un nouvel état d'esprit. Faire changer les choses, faire évoluer les choses avec un nouvel état d'esprit. Alors, on sait qu'une start-up, c'est quand même une entreprise. Qu'est-ce qui la distingue des autres entreprises conventionnelles ou classiques? Alors, bien sûr, une start-up avant tout, c'est une entreprise. Ça commence comme une très petite entreprise, puis ça devient avec le temps une petite et moyenne entreprise. Mais avant tout, une start-up, c'est une manière de voir le monde. C'est comment utiliser les nouvelles technologies pour essayer d'apporter du mieux dans notre quotidien. Une start-up, c'est avant tout réussir à régler un problème du quotidien, apporter des solutions grâce à la technologie aux besoins que nous avons. Voilà ce qui différencie une start-up d'une entreprise classique. Alors, donc on sent qu'il y a le facteur volonté, le facteur motivation et innovation en fait qui interviennent et qui sont extrêmement prépondérants, n'est-ce pas? Tout à fait. On part du principe que nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution industrielle qui vient de deux facteurs principaux. Le premier, c'est celui de l'avènement de l'Internet, il y a maintenant plus de 30 ans, qui est couplé à un deuxième événement qui est celui du smartphone et du mobile que nous avons tous dans notre poche. Et nous pensons que aujourd'hui, grâce au téléphone portable qui est connecté à Internet, notre quotidien peut changer grâce à de nouvelles technologies qui peuvent améliorer la manière dont nous vivons, dont nous consommons un certain nombre de services. Alors, justement, je pense que quand même, avec ce que vous venez de dire, on arrive à savoir ce qu'est une start-up. Au Maroc, d'abord, où est-ce qu'on en est par rapport à cet engouement sur les start-up? Alors, bon, les start-up existent au Maroc depuis maintenant, en tout cas de la manière dont on les appelle aujourd'hui, elles existent au Maroc depuis plus de 10 ans. Au départ, pas beaucoup de monde comprenait le message du mot start-up, ni la mentalité. Il a fallu attendre quelque chose comme 6-7 ans avant que le mot soit galvaudé et que un certain nombre de services publics commencent à s'y intéresser, permettant la mise en place d'un véritable écosystème. Aujourd'hui, nous sommes au centre de cet engouement et nous le voyons, puisque nous sommes aujourd'hui à la télévision en train de parler de start-up. C'est devenu un sujet à la mode qui intéresse en même temps le service public, mais aussi le service privé. Et ce n'est que le début de ce monde de start-up. Et nous le voyons, le Maroc est aujourd'hui en train de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays d'Afrique. Le Maroc, donc, il s'inspire de ce qui se fait dans d'autres pays d'Afrique. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur l'état de la situation sur le continent. Mais restons d'abord au Maroc. Pensez-vous qu'on a vu quand même pas mal d'initiatives pour encourager l'entrepreneuriat? Je pense notamment au statut de l'auto-entrepreneur et récemment pas mal de stratégies qui ont été lancées. Je pense à Foursa, entre autres, ou Aurache.
aujourd'hui, vu la manière dont évoluent les choses, pensez-vous que le climat, l'environnement est favorable à l'émergence de start-up ici au Maroc? Écoutez, bien sûr, avant tout, pour qu'il y ait un climat favorable, il faut qu'il y ait des start-upers. Et les start-upers sont, quant à eux, motivés par des success stories, par des histoires de start-up qui tirent leur épingle du jeu et qui commencent à réussir dans leur domaine. Et on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de start-up qui réussissent et qui ont comme conséquence de plus en plus de jeunes qui s'en inspirent et qui veulent eux-mêmes devenir entrepreneurs. Alors bien sûr, tous ne réussissent pas, mais la plupart tentent et essaient, avec des fois de l'aide venant d'abord du service public. Vous en avez parlé, il y a un statut d'auto-entrepreneur, mais il y a aussi aujourd'hui des aides financières, vous avez parlé de Forsa, c'est un exemple. Et ensuite, on le remarque de plus en plus, il existe maintenant le secteur privé qui commence à donner sa chance aux startups en les considérant dans les appels d'offres, en faisant en sorte de les choisir comme fournisseurs, en faisant en sorte de les payer en temps et en heure, en faisant en sorte de temps en temps de prendre des participations dans ces startups. Et on le voit de plus en plus, et tout ça est de bon augure pour la mise en place d'un véritable écosystème dans notre royaume. Alors, qu'est-ce qui manque selon vous pour accélérer la cadence? Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Il manque avant tout un état d'esprit de la part des investisseurs. À l'étranger, les pays en tout cas qui fonctionnent le mieux en termes de start-up sont les pays où il y a un monde d'investissement que nous appelons plus communément le venture capital, VC, mais aussi les business angels. Ce sont souvent des personnes privées qui investissent dans les start-up. Et ce sont des gens qui ont une mentalité assez particulière, qui partent du principe qu'il faut financer une start-up le plus rapidement possible et faire en sorte que les porteurs du projet, donc les start-upers, restent les plus intéressés possibles à la start-up. Et donc, l'objectif, c'est de prendre le moins possible dans le tour de table de la start-up. Malheureusement, au Maroc, on n'y est pas encore. Souvent, certains investisseurs sont gourmands et lorsqu'ils investissent dans une start-up, ils veulent prendre le plus de parts possible. Moi, je dis à ces jeunes investisseurs, à ces VC, à ces types d'investisseurs, faites en sorte de garder le porteur de projet le plus motivé possible en le finançant, mais en vous assurant qu'il garde des parts conséquentes dans sa start-up. Je pense que quand même, le diagnostic est très clair de votre part. Alors, élargissons-nous sur le continent. Je rappelle que vous dirigez une start-up qui est en train de s'étendre donc sur le continent à travers des acquisitions. Vous avez été considéré comme meilleure start-up africaine de l'année lors du dernier Africa CEO Forum à Abidjan. Alors, justement, sur le continent, quelle est la situation? Alors, le continent se porte très bien. Vous devez probablement savoir qu'en ce moment, il y a une crise macroéconomique, que les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine augmentent et que par conséquent, l'ensemble de la liquidité qui existait sur les marchés des startups est en train aujourd'hui de s'essouffler et d'aller sur des classes d'actifs qui sont un peu plus sécurisées. Et par conséquent, les startups sont de moins en moins financées dans le monde. Fort heureusement, en Afrique, ce n'est pas le cas. Les financements continuent à affluer et lorsqu'on compare 2021 à 2022, du moins sur le premier semestre, on voit une forte croissance en termes de financement et tant mieux pour nous. Nous partons d'une base bien évidemment plus faible, mais ce n'est que le début de cette croissance. Maintenant, malheureusement, ce sont principalement 4 pays qui attirent ces financements. Nous parlons du Kenya, du Nigeria, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud, qui sont pour la plupart des pays anglophones à fort marché et qui attirent aujourd'hui près de 90% de ces investissements. Notre rôle maintenant en tant que pays d'Afrique francophone est de nous assurer de créer un écosystème de start-up et d'attirer un maximum de financement pour essayer de rééquilibrer les choses et faire en sorte que le monde des start-up existe aussi en Afrique francophone. Et nous sommes donc très satisfaits d'avoir été élus start-up de l'année
au dernier Africa CEO Forum qui a eu lieu à Abidjan. Alors, justement, je pense actuellement à un porteur, un jeune porteur de projet qui nous suit. Par exemple, je suis porteur de projet, j'ai des idées, je veux lancer ma start-up. Comment lever des financements, en fait? Comment réussir à lever des financements? Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat est plombé par le manque de financement ou la difficulté à attirer des financements. Comment parvenir à ce financement-là, sur la base de votre expérience? Alors, bon, tout d'abord, il y a deux types de financement. Il y a le financement en dette et il y a le financement en equity. Lorsqu'il s'agit de la dette, alors souvent, on vous dira que les banques, notamment au Maroc, ne croient pas encore aux startups et ne sont pas prêtes à donner du financement en forme de dette. Mais aujourd'hui, il y a fort heureusement des organismes publics comme la CCG ou Tamwidcom qui donne des garanties à la banque, permettant à ces banques de pouvoir financer en dette un certain nombre de start-up, et on en est tous reconnaissants. Mais il n'y a pas que les banques. Aujourd'hui, des fournisseurs peuvent être des bailleurs de fonds. Lorsque vous avez de bonnes relations avec vos fournisseurs, vous pouvez négocier ce qu'on appelle des crédits fournisseurs ou des délais de paiement, vous permettant d'avoir du financement. Donc ça, c'est des exemples sur la partie dette. Ensuite, sur la partie equity, c'est-à-dire ouverture de capital, il existe aussi de nombreuses sources de financement. Il y a notamment, je le disais tout à l'heure, les business angels, qui sont donc des personnes privées qui sont à la recherche d'investir leur argent avec un rendement qui est intéressant et qui recherchent aujourd'hui des entrepreneurs fougueux, qui ont de la volonté, qui sont ambitieux, pour les accompagner avec de l'argent, mais aussi avec du conseil. Et donc, il faut que ces entrepreneurs aillent voir un maximum de business angels. Mais au-delà des business angels, aujourd'hui, il y a des investisseurs institutionnels, il y a des ventures capitalistes, comme nous le disions tout à l'heure. Il y a aussi ce qu'on appelle des corporate VC, c'est-à-dire de grandes entreprises qui cherchent, elles aussi, à innover, et souvent en finançant de jeunes startups. Et donc, des options, il en existe. Des options, il en existe. Est-ce qu'en termes d'information, d'accès à l'information, pensez-vous que les choses sont suffisamment démocratiques, les choses sont suffisamment vulgarisées pour que tout le monde puisse accéder à ce type d'information-là? Alors, démocratique, oui. Vulgarisé, pas encore. Alors, démocratique, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes ces informations existent, notamment sur des réseaux comme YouTube, sur des moteurs de recherche comme Google. Il suffit de faire les recherches souhaitées pour trouver du contenu intéressant qui a été produit par, entre autres, des entrepreneurs, mais aussi des associations et ainsi de suite. Et donc, par conséquent, c'est démocratique parce que toute personne qui souhaite faire une recherche trouve le contenu souhaité. Vulgarisé, non, malheureusement, pas encore. Assez simplement parce que les médias ne jouent pas encore le jeu. Et donc, je me permets de faire un appel public aujourd'hui à la télé pour vous demander, vous médias, de vulgariser ces informations en invitant un maximum de start-upers comme moi, mais aussi en organisant un maximum d'événements dans lesquels on parle, on vulgarise la notion de start-up et les manières dont ces start-upers peuvent se financer et peuvent faire réussir de jeunes pousses. En tout cas, votre présence avec nous ce matin en est l'illustration. Nous accordons extrêmement d'importance et d'intérêt à tout ce qui propulse notre continent et notamment les jeunes vers l'avant. Alors, justement aujourd'hui, vous êtes actif sur le domaine du e-commerce. Quels sont les secteurs qui vraiment attirent les startups sur le continent, ou plutôt, dans quel secteur les startups sont plus présentes? Alors, lorsqu'on analyse les startups africaines qui sont aujourd'hui les mieux valorisées, ce qu'on appelle dans notre jargon, à nous, les licornes, qui ont atteint des valorisations qui sont supérieures aux milliards de dollars, on se rend compte que les startups qui sont dans le domaine de la fintech sont les plus présentes. Alors, la fintech, c'est un mélange entre finance et technologie. Donc, ce sont toutes les startups qui font sur notre continent de l'inclusion financière et des services financiers au profit des entreprises, mais aussi de l'utilisateur final. Donc ça,
c'est le premier vertical qui fonctionne le mieux. Mais ce n'est pas le seul. Vous avez parlé de l'e-commerce. L'e-commerce est un exemple et on le voit avec de nombreuses startups qui réussissent à l'échelle continentale. Il y a aussi des startups qui sont dans le domaine du transport et qui permettent aux gens de mieux ce qu'on appelle la mobilité, donc de mieux se transporter. Et il en existe aussi qui fonctionnent très bien. Et enfin, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon à nous le SaaS, donc le Service as a Software, qui sont donc des logiciels en ligne qui permettent donc à l'utilisateur de pouvoir Alors, il me semble qu'on a quelques soucis de communication avec Ismaël Belkhayat. Vous nous entendez toujours, Ismaël Belkhayat? Bon, certainement un petit souci technique qui ne manque pas de temps en temps. Ce sont donc les aléas du direct, mais c'était très intéressant ce qu'il nous expliquait, les secteurs dans lesquels les startups africaines sont les plus présents. Je pense que Ismaël Belkhayat a certainement eu un petit souci technique. Bon, ça coïncide quand même avec la fin de cette émission, parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Le temps qui nous était imparti est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bon début de semaine sur Median et très bonne suite de programme sur nos antennes.